Salut à tous et à toutes ces créas, je vous remercie de suivre cette vidéo puisque nous sommes désormais sur Mass Effect 2 comme, comme j'en avais parlé dans ma vidéo de reprise un petit peu après ces vacances. Donc voilà, je voulais absolument attaquer ce magnifique jeu qu'est Mass Effect. Le 2 est terminé pour l'instant sur une partie, donc j'ai commandé le 3, il va bientôt arriver à la maison. Et donc je me suis dit... Bon voilà, il manque un petit peu quelque chose parce que moi j'avais donc commencé, j'ai fini une partie, pardon, alors à quel niveau j'ai fini une partie avec donc presque tous mes coéquipiers de loyaux. Tous, non, sauf une, il s'agit de Miranda qui a fait la gueule suite à un malheureux échange verbal entre elle et la bien-aimée Jack. Donc à ce moment-là, il aurait fallu que j'aie donc plus de pragmatisme pour un petit peu débloquer la situation. Malheureusement, j'étais parti plus sur de la conciliation aussi. Bon, voilà, j'ai eu un petit peu quelques difficultés à essayer de récupérer Miranda, bien que cela n'ait pas marché, que j'ai dû faire la mission suicide. En compagnie de Miranda qui n'était pas loyale et qui, bon, voilà, par le plus grand des hasards a survécu, le plus grand des bonheurs surtout, parce que voilà, on ne perd personne, donc on va garder tout le monde pour Mass Effect 2. Donc voilà, j'étais reparti sur une nouvelle partie, cette fois-ci dans un personnage un peu plus bourrin, donc Shepard un peu full pragmatisme, voilà. Et ça commence plutôt bien, j'ai récupéré Zaed, voilà, j'ai fait sa mission, qui m'a demandé un petit peu quand même de réflexion, parce que à la base le pragmatisme s'obtient lorsque l'on décide d'abandonner les civils emprisonnés, et donc sinon la conciliation si on décide de sauver les otages. En revanche, en sauvant les otages, on perd la trace du type que Zaed voulait tuer, donc on ne gagne pas sa loyauté. Voilà. Donc j'étais parti qu'est-ce qu'il dit? Ok. Bref, nous allons voir donc ce qu'il y a comme mission. J'aurais pu le voir donc via le journal, mais je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Peu importe. Quelle est la mission? Donc, recruter la probatrie. Je vais commencer par ça. Donc pour les détails, un petit peu dans la première carrière que j'ai effectuée sur Mass Effect 2. Donc j'étais parti avec, donc, sur une romance avec Tali, qui s'est ma foi plutôt bien terminée. ça commence bien. Il faut le deuxième CD. Ah, voilà, donc oui, comme je disais, nous étions partis avec Tali. Sur un personnage plutôt orienté conciliation, bien qu'à la fin le taux de pragmatisme avait également bien monté, que je devais être un petit carré pour chaque jauge, peu importe. En tout cas, j'ai réussi à éviter le conflit Légion Tali. J'ai gardé donc finalement Légion. Au début, je l'avais vendu et m'étant rendu compte de ma connerie en cherchant désespérément son corps à travers le vaisseau, j'ai donc cherché sur internet et on m'a dit qu'apparemment dans le 3 il était contre nous. Alors bon, je suis pas adepte du spoiler, seulement Légion, j'en ai besoin, et au final, vu la mission suicide et ce qui s'est passé un peu plus tard, j'ai eu raison de le reprendre. Pourquoi? Parce que j'ai refait 3 fois la mission suicide. La première fois, j'avais mis Tali en spécialiste à se prendre une balle dans la tête lorsqu'elle doit fermer la porte. Donc pour le coup, je me suis dit, bon bah c'est pas grave, on va... tiens, grotte, allez, hop. Et je me suis dit, bon bah c'est pas grave, on va recommencer, il y a un facteur chance. Eh ben non, j'ai recommencé, je me suis fait emplumer, c'était super. Et donc du coup, j'ai pris Légion, qui, ma foi, a bien fait son job, hein, qui s'est pas fait buter, tout comme ça. Donc voilà, heureusement que j'avais récupéré Légion, c'était...
un sacré soulagement. Et donc là, si je me souviens bien, donc j'étais parti pour aller recruter la probatrice. C'est peut-être pour ça qu'il y a une bonne femme là qui m'accompagne. Bienvenue sur Nos Astra, commandant Shepard. Conformément à nos instructions, c'est gentil ça. Karina. Si c'est vous gentil. Avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. De qui tenez-vous? De Liara Tsoni. C'est elle qui arrive. Elle vous invite D'accord. également à la rejoindre à l'heure de votre convenance. Vous la trouverez prévue. Liara est ici, vous dites? Liara est là. Nos Astra. Comme je l'ai dit, vous la trouverez. Donc pour ceux qui n'ont pas joué au 1, dont moi, mais je vous le dis quand même. Donc Liara est une Asari que l'on croise donc dans le 1 forcément et qui s'occupe dans le 2 en fait des la cour des commerces de finances de d'Ilium. Merde, j'ai déjà fait cette hop. Je suis désolé, je passe un petit peu les dialogues. J'ai déjà fait cette aventure. En tout cas, ne vous inquiétez pas, vous ne ratez pas grand chose en fait. C'est plus un peu le coup de faire le tour un petit peu, comment dire, c'est le fait de se remémorer un petit peu ce qu'on aurait pu rater du 1, de ce qui s'est passé entre temps. Voilà. Donc pour l'instant, nous allons trouver donc des technos ici, par ici. Bon, alors, où que tu es. Voilà, donc Liara, pardon, est en haut. Les technos sont par ici. Bordel, il m'écoute même pas ce connard. Alors, module de piratage. 30 000, mon dieu. Hop, biotique, oui. Hop. Voilà, donc ces améliorations, pour ceux qui ne connaissent pas, me permettent en fait de pouvoir modifier soit des compétences, donc d'armure, soit. Soit ce soit des items, des armes et compagnie. Voilà. Shepard. Shepard. Gros câlin. Ça me rappelle les Teletubbies. Je sais pas si vous avez connu, c'était une chaîne absolument débile, un dessin animé complètement con sur pour les gosses en fait. Mes sources m'ont appris que vous étiez là, là. Mais je n'arrivais pas à y croire. Ah oui, parce que pour ceux qui n'ont pas vu donc la fin du 1 ou le début du 2. Shepard se fait déchiqueter, enfin disons qu'il crève. Hein. Voilà, il est dans son fameux Normandie et le vaisseau se fait attaquer par les récolteurs. Donc du coup, Shepard est censé être mort et il est récupéré par Cerberus, donc un homme influent dont on ne connaît pas apparemment le visage, qui a monté le projet Lazare en fait pour récupérer Shepard et le remettre sur pied, on va dire. Voilà, donc en gros, là ici, elle me dit, si je me souviens bien, que je dois pirater des serveurs de données pour. Vous trouverez Dara au relais de transport. Pourquoi ça? Loin de là, c'est plutôt l'inverse en fait. Samara est une probatrice. Serena okay. est employée à la. Donc, ouais, je dois pirater pardon, des serveurs de données pour exploiter une faille. Et. Et puis donc ben, elle forcément lui faire gagner quelque chose parce qu'au final si elle est elle doit travailler dans une espèce de bourse, je sais pas trop quelle connerie donc hop donc déjà premièrement trouver voilà donc en gros il y a plusieurs terminaux, il faut les trouver, les activer, ensuite bon ben pirater la balise que l'on va trouver un peu plus loin. Par contre si tu pouvais te bouger le cul s'il te plaît, merci. Bon ok, elle ne parle pas, c'est magnifique. Ouais, donc au final, j'ai recommencé cette aventure bah, parce que bah, déjà, c'est vrai qu'avoir plusieurs personnages, des fois pour le 3, sait-on jamais, ça peut être utile. Et aussi bah, parce que bah, par pure curiosité, j'avais envie de découvrir un petit peu d'autres choses. Spécialiste en IA les intéresserait. Libérez votre esclave. Nous préférons le terme avant de vous emporter. Si vous tenez à l'aider, persuadez le représentant de Synthetic Insights de racheter son compte. Et si je l'achetais moi-même? L'offre est galante, il y a aussi une indemnité à payer. Exactement. Ok. Je ne veux pas qu'il On se reparlera plus tard. Comme vous voulez. Donc. Et là, il fait. Et si truc, tu es là. Je peux vous aider peut-être?
Adressez-moi un CV et je... Synthetic Insights n'est pas intéressé par l'achat des... Pour être franche, c'est à peine si on recrute en ce moment. Et voilà, donc voilà, c'est cette fameuse phrase que je n'avais pas dès le début, et en fait qui va nous permettre de relâcher la quarienne. Quarienne. Hop, voilà. Donc maintenant, je peux retourner voir la vilaine bonne femme. Synthetic Insights vient de m'adresser le contrat. Je ne vous remercierai jamais assez. Il n'y a pas de quoi. Tenez, pour votre alors, appel. Tac. Merci. Je serai plus prudente cette fois. Au final, je sais même pas si j'y gagne quelque chose parce que bon, je fais ça un peu gratos quoi. Hop, plus 5 de pragmatisme, oui. Parce qu'en fait, lorsque j'utilise un dialogue qui est écrit en rouge, on crée une espèce de dialogue un petit peu brut avec la personne et on emploie quelque chose que l'on appelle le pragmatisme, c'est-à-dire que l'on fait un petit peu de forcing. Donc en gros, forcément. Ça passe plus ou moins bien, mais généralement ça permet en fait d'intimider la personne en face. Et donc, ceci permet en fait de remplir la jauge de pragmatisme. Donc, le pragmatisme en fait c'est utile notamment pour débloquer d'autres dialogues de pragmatisme, mais aussi parce que lorsqu'il y aura le petit accrochement entre. Lorsqu'il y aura le petit accrochement entre comment elle s'appelle, une bonne femme, entre Miranda et Jack, il faudra que vous puissiez avoir assez de pragmatisme en fait pour les séparer sans avoir à ouais je me sens pas bien bah ouais il marche plus droit. Il faudra que vous ayez assez de pragmatisme en fait pour pouvoir les faire dégager l'une de l'autre, en gros les calmer sans pour autant prendre le parti de quelqu'un. Sachant que si vous prenez le parti de quelqu'un, l'autre va gueuler, etc. Et c'est extrêmement chiant de perdre de toute façon si vous perdez Miranda, je pense pas que ce soit tellement grave étant donné que celle-ci sera, je pense, toujours présente pour... putain, elle est où ? Pour la mission suicide. En revanche, c'est peut-être de la merde. Allez. Oui, donc voilà. En fait, si vous donnez raison à Jack, celle-ci donc vous en voudra. Miranda, pardon, vous en voudra. Et vous fera la gueule jusqu'à la fin du jeu, sauf si vous avez assez de pragmatisme, de conciliation pour débloquer, il me semble que c'est de la conciliation, pour débloquer un nouveau dialogue en fait, qui va permettre de dérailler la situation. Sinon, vous êtes condamné à voir Miranda faire la gueule et vous renvoyer chier chaque fois que vous irez la voir. Voilà, donc c'est assez chiant. Personne n'a envie, je pense, de se faire emballer. Et donc, si vous donnez raison à Miranda, ce sera pareil, Jack ira faire la gueule. C'est aussi. Il est également probable, possible même d'ailleurs, de la réconforter, si je puis dire. Mais bon, voilà, si on pouvait gagner du temps, d'autant plus que Jack est assez chiante. C'est parti pour une émission de routine. Oups. C'est pas ça. Voilà. Donc maintenant, nous allons avoir une balise qui va être débloquée. Voilà. Hop, succès. Qu'est-ce que vous voulez ? Pardonnez-moi. Les poèmes de ce maudit Krogan me rendent folle. Ce Krogan vous apporte une ? Non, inutile de le brutaliser. Il s'appelle Char. Nous étions... Et il essaie de me prouver à quel point il est sensible à coups de mièvrerie. Une vraie torture. Pourquoi est-ce que vous êtes... C'est vrai que j'admets aussi qu'elle couple insolite, étant donné que... Bref, Char a pris le... Étant donné que, comment dire... C'est compliqué. Débarrassez-vous de lui. Je l'aime beaucoup. C'est un Krogan. J'adore les super conseils de... Comment le faire qu'elle doit soit épouser le Krogan, soit le quitter une bonne fois pour toutes. Ah putain. Allez, je vais m'acheter un poisson pour mettre dans mon aquarium. Hop!
Donc je disais moi avec cette conne là qui parlait. Oui, donc le couple insolite, ben, c'est assez bizarre quand même de voir un Asari, donc ce genre de bonne femme que j'ai à côté de moi là, de voir ça avec un Krogan, donc ce que moi j'ai ici à côté de moi, donc qui est Grunt. Voilà, moi je trouve que c'est pas courant en fait quoi. Hop. Ah, une autre quête secondaire, cool. Cette bonne femme, en fait, subit des tests donc par une compagnie apparemment de santé, je me souviens plus, hein, c'est tellement loin tout ça. Et en fait, voilà, sa compagnie ne passe que de tous les scans que pour les humains. Et apparemment, quoi qu'on leur dise, elle s'en branle. Donc du coup, ben, ça va être à moi de m'en charger. Il faut que j'aille voir cette espèce de mégère que j'ai là-bas. Tout d'abord, je vais faire un petit tour ici. Pensez à prendre des cartes également pour pouvoir débloquer des nouveaux niveaux à explorer par la suite. Et écoutez cette belle voix qui nous parle. Vous venez dénoncer les contrats médicaux que les colons de Féroce ont signés. Ne vous donnez pas cette peine. Ne gaspillez pas les précieuses minutes de... Pourquoi une telle intransigeance ? Leur applique à vous tous. La galaxie serait mieux portante si personne d'autre que les Asari n'avait émergé de la... Vous pourriez si les... pratiquer. Je n'ai pas vocation à... Je reviendrai plus tard. Non, je me suis planté. Encore vous. Si les humains refusent d'honorer notre accord, qu'ils en assument les conséquences. De quelle mort est-ce qu'on parle au juste ? La mère de... Allez là. Normalement, elle va pleurer et je pense que j'aurai assez de... Votre partenaire vivait avec les... Mais regardez ce qu'elles y ont gagné. Vous avez souffert, c'est entendu. Ils ont perdu leur famille aux mains des Guettes et du Taurien. Oh. Et voilà, normalement, elle va se lâcher et je pourrais faire un acte, même pas. Je peux même pas faire un acte pour la... Oh là là. En tout cas, quoi qu'il en soit, elle... Hop, voilà, donc j'ai fait 100 contrats, j'ai gagné 5 parce que l'autre là-bas, je l'ai intimidé. Et nous allons donc trouver Samara. Elle a tué quelqu'un, et si c'est le cas, tiens. Donc Samara, vous allez voir, c'est une bonne femme une bonne femme qui a du tempérament en fait, hein. Elle utilise ses pouvoirs en fait pour inquiéter ses victimes. Et au final, généralement ils finissent par crever quoi. Bah oui quoi. Donc bon, le but en fait c'est d'aller les chercher. Ça fait déjà 18 minutes presque. Allez, on va plus vite. Voilà, un souci de ce jeu, c'est un truc qui me gave. C'est ce système de chargement qui est relativement long et chiant, vous voyez. Bon, ben ok, c'est cool, on voit un Spoutnik qui vole à travers des bâtiments, je sais pas ce que c'est. En tout cas, lorsqu'on n'a pas le temps, c'est un petit peu casse-burne. Bref. Allez, oust. Oust. Voilà, donc là, forcément, il va falloir que je rechoisisse un commando. Donc, généralement, Katsumi est franchement très bonne. Très bonne au combat. Donc je vais Grunt parce que Grunt c'est un sacré bout en train et un gros bourrin. Et Miranda, parce que bon voilà, si je vais essayer de faire une romance avec elle, ce serait peut-être bien que je la prenne. Elle a rien de disponible. Oh. Mais par contre elle a tout. Zou. Donc là vous arrivez sur la zone où il y a eu un vol ou un meurtre et l'un, donc ce petit bonhomme, la Pitnefort, semble avoir perdu quelque chose, donc des notes. Et nous le but ça va être de retrouver Samara et vous allez voir que au fil des quêtes nous allons devoir retrouver la note pour pouvoir avoir Samara à nos côtés. Voilà, donc je pense que là aussi il tremble un petit peu parce que voilà, Samara c'est pas... Samara va dire qu'elle est pas tendre. Inspectrice. Belles armes. Si vous avez des comptes à régler avec Samara, réglez-les ailleurs. Permission. J'ai déjà... Je dois trouver Samara et reprendre ma route. Je vois. Les probatrices opèrent généralement. Alors on va lui plaire. Si vous voulez lui faire quitter... Comment ça, je suis une cause perdue moi. Je vous emmène la voir dès que possible. Mais bref, si vous arrivez à prétexter une grande quête pleine de noblesse pour la faire partir... Comment je me rends sur les lieux du crime ? C'est au quoi ? Faites attention. Ces derniers temps, les mercenaires d'Eclipse...
Je penche pour Eclipse. Un faites-moi un topo. Oui, parle plus vite. Une partie des ruelles du quartier. Ah, probatrice, voilà, cool, cool, cool. Ah, tiens, va. Vous en pensez quoi? Ouais, c'est vrai que c'est une impitoyable tueuse. En revanche, moi, j'ai pas trop eu le droit encore. Zou. Donc, normalement, il me semble que la zone. La zone sera ouverte, voilà, parce que tout à l'heure, bon, je suis pas allé faire un tour, seulement ces espèces de rambardes n'étaient pas franchissables. Hop. Ok. Hop. Voilà, aussi un truc qu'il faut surtout pas hésiter à faire dans Mass Effect 2, donc c'est bien de ramasser ces espèces de petits les items. Oh putain. Allez, tire. Pourquoi il tire pas cet abruti? Pourquoi il tire pas? Ah ok, je suis aux pompes. Ah, ça va être très douloureux. Hop, prenez vos agrafes. Ah, et je tire affreusement mal. En avant, compagnon. Donc voilà, nous allons donc chercher cette fameuse Asari qui se prénomme Samara. Voilà. Oh. C'était mes meilleurs soldats. C'est elle, attention. Ouh, magnifique cuisse. Dites-moi ce que j'ai besoin de savoir. Ta-da. Et je m'en irai. Vous croyez que je vais la traiter? Quelle classe. Vous n'avez pas. Non, c'est vrai que franchement, elle est. Elle est sympa. Puis elle a de bons pouvoirs et tout, c'est cool. Votre survie. Par contre, c'est vrai qu'elle fout les boules et ça file encore plus. Mais l'un de nous finira par avoir votre peau, probatrice. Je peux peut-être la sauver? Non. Ah non. Oh oh. Allez au diable. Comment va-t-elle mourir? Comment s'appelle le vaisseau sur lequel elle a embarqué? Oh oh, mauvaise réponse. Puisse la déesse vous accorder la paix. Chut, crac. Voilà, donc vous avez vu un petit peu le portrait de Samara. C'est donc une biotique qui manipule un petit peu les... Servante du code de... Et bon, ben... Sont-ils amis? What? Ou ennemis? Qui manipule quoi? Qui manipule un peu tout, la biologie, voilà, tout ça. Agissez-vous donc sur... Non. Non. Voilà une chose que nous avons en commun. Que puis-je faire pour vous? Je perçois la sincérité de votre parole et j'en suis infiniment. Je l'ai acculé ici. Je préférerais que vous acceptiez de suivre cette humeur. Vous risquez beaucoup à suivre vos ordres, inspectrice. Fort heureusement, je m'abstiendrai de résister. Je ne pourrai pas vous libérer aussi vite. Vous ne pourrez pas m'en empêcher. Ouais, moi je vais faire un... Je vous rejoindrai. Vous avez des pistes? Pitney Fort, le marchand Volus, est mêlé à cette affaire. Arrachez-lui la vérité. Il sait peut-être comment accéder. D'accord. Donc faut que je retourne voir le petit lardon sur pattes. Donc ici, éventuellement lui casser... Rebonjour, être humain. Vous êtes allé voir la détective? Casser une ou deux côtes. Comment ça, être humain? Ah non, même pas. Rangez ça de grâce. Je vais coopérer ces projets. Oh, j'aurais bien voulu le... lui tirer une balle dans le pied, moi. J'ai entré en fraude sur Ilium un agent chimique qui amplifie les... Il est possible que j'aie... Oublié de le préciser. Donc en fait, ce petit bonhomme, c'est comme le transporteur. Vous voulez quelque chose, être humain? Le marchand que je suis a l'œil pour ce genre de choses. Eclipse a récemment fait quitter la planète à une fugitive. Et je ne suis pas au courant de ce genre d'opération. Il se trouve que je suis en possession d'un... Prenez-le, mais faites attention. Chaque sœur d'Eclipse commet un meurtre pour obtenir son... Il faut donc que j'aille... La police refuse de l'admettre, mais c'est Eclipse qui... Que j'aille.
déjà retrouvé mon vaisseau. Merde. Faut que donc que je trouve un moyen pour me casser lui. Ce Volus a un air qui ne m'inspire pas. Merde. Faut que je trouve un moyen pour aller voir la vilaine bonne femme. C'est un grand honneur d'accueillir une probatrice. J'aimerais ne pas avoir à vous tuer, inspectrice. D'après le ton de sa voix, on croirait presque qu'elle parle du menu de ce soir. Toute tentative de détention... Je vois. D'accord, donc en fait, j'ai personne qui peut m'indiquer par où je peux sortir. C'est presque épuisant. Comment je vais le... Ah, je peux plus interroger. Oh, merde. Là, je vais essayer, je suppose. Eh ben non. Ah! Je ne retrouve plus la borne qui m'a servi à venir. Ça me zoule. Ok. Bon, eh bien, mais ça va vite être réglé cette affaire. Si je peux même pas sortir. Putain. Voilà, donc en gros, si vous voulez, moi, mon but, c'est de... Ah, mais tiens, je peux aller la voir, toi. Si. Reviens là, toi. Ah, mais là, peut-être quelque chose. Mais c'est là. Merde. Ah, bah c'est là. Je suis con. Ouais, donc il va falloir s'infiltrer chez les hauts d'Eclipse. Et puis, ben, apparemment, va falloir trouver des codes comme ça. Ça va être cool. J'aimerais bien récupérer Samara, moi. Tiens. Hop. Oups. Là par contre c'est un petit peu chaud. Voilà, là je peux... Oh oh. Voilà, donc pour les joueurs de... Je pense que pour les joueurs de Gears of War, c'est pas trop un jeu qui doit poser problème. Hein. On se retrouve assez. Hop. Elle ne prend pas ses balles. Elle ne prend pas ses balles. La victoire en schtroumpfant. Ah putain, qui c'est qui fout ces bombes là? Ah puis là c'est pareil. Oh bordel. Vous pouvez voir que je suis toujours égal à moi-même, c'est-à-dire que moi, quand je vois, généralement, j'arrose. Et que j'ai un petit peu de mal à viser. Je peux rien faire, hein. C'est quoi ce truc débile? Merde, c'est pas que je voulais aller. Ah, il faut falloir que je la tue, je le sens. Il va falloir que je la tue. Ouais, elle, je vais la tuer, je vais la tuer, je vais la tuer. T'as choisi ton ta 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 ta. Et t'as perdu. Espèce d'ordure, je vais te crever, tu vas voir. C'est un truc qui me surprend toujours. Pourquoi à chaque fois les gens pointent pour faire mine. Eh, vas-y, je suis intimide et au final, bam. Ben, ça pourrait servir. Je trouve ça absolument débile. Moi, je vois quelqu'un. Quelqu'un qui sort son fusil, je pointe, je tire. Voilà. Oula, il y a du monde. Il y a du monde, il n'y a personne à faire sinon. Demandons à
Voilà pour toi. Et toi, ben tiens. Debout, debout. Ah, saloperie. Bon, ben ouais. Ah, le saut. Oh là là, ce qu'elle a pris. Ouais, mais bon, c'est voilà, c'est pas très non, c'est pas très difficile quoi. Oh, un terminal. 3 bleus, 3 bleus, 3 bleus. Te voilà, il me faut. Et zut, c'était au-dessus. Yes. Hop. Ça, c'est un principe qui est vachement sympa sur, sur Mass Effect et qui débloque notamment pas mal de quêtes annexes, pas forcément, mais de peut débloquer quelques améliorations d'armes ou autre chose, ça peut être vachement sympa. Dérivation de puissance. Je n'ai plus la cible, j'ai perdu la cible. Bon, allez. Bon, c'est vrai que je suis parti en mode bourrin, mais j'ai pas regardé s'il y avait pas d'armes et il y en a pas de toute manière, comme ça c'est fait. Oups. Hop. Voilà. Ça c'est fait, je peux pas traverser. Cool. Et donc, je sais plus si là qu'il y a un ascenseur ou on va pousser un mec dans le vide, mais bon. Oh là là, joli! Hop! Voilà! La cible est passée en furtie! Hop là! Et voilà! Bon. Non, c'est dommage, j'espère que vous verrez bien Samara dans la vidéo quand même. Il y a quelqu'un. Dérivation de puissance. C'est moche. Bon. Détonation. Ouais, j'aimerais. La mission est presque. Oups. Oui, je vois. Je vois absolument. Hop, voilà, on récupère tout ce qu'on peut. On met ça dans un grand sac et on y va. Pour ceux qui connaissent pas Grunt, ben voilà, vous pouvez voir quand même, c'est un mec qui aime bien se mettre dans le tas. Pour ceux qui ont joué à Gears of War en général d'ailleurs, ça peut-être vous rappeler Cole. Quelqu'un qui est très fan de la destruction massive, en gros quoi. Échec système. Allez. Donc ils sont où les bonhommes là? Oh oh. Shit. Ouais, bah écoute. Voilà pour toi si tu veux bien. Et voilà pour toi. Ah, je vais prendre ceci. Ah, le con.
Je vais quand même pas crever quand même. Je crois pas, il peut rien ce bâtard. Je vais t'avoir. Voilà. Bon, eh bien, c'était pas vraiment... C'était pas très difficile, hein. Oui. Hop. Ah oui, parce que vous pouvez pas soigner à l'infini. Ça, c'est une chose que... qui est pas marquée explicitement, mais il faut pas être surpris si ça n'arrive pas. Lorsque vous utilisez une, le pouvoir unité, ceci vous mange un médigel. Donc, c'est une sorte de choses qu'on peut trouver là-dedans. Et le médigel, en fait, peut réanime vos coéquipiers tombés au combat, si l'on peut dire... Allons-y, ouais. Je veux de la baston, moi. Oh oh, mais qui vois-je? Vous êtes défoncé. Je sais pas à quoi vous carburez, mais je vous conseille de faire profil bas. Vous allez regretter vos Ouais. Ils ont beau rire. Vous faites partie du groupe commercial. Il n'a pas signalé votre disparition. Son espèce pas fait un argent. Bah Shepard. Je vais la réduire en morceaux. Nul ne peut s'opposer à mes pouvoirs. Chargé. Un vent funeste va s'abattre sur Wardia. Il est con. Bon, en même temps, je sais pas ce que c'est comme race, ces espèces de taupes. Si jamais vous avez la réponse, bah, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'aimerais bien savoir ce que c'est comme, comme abruti. Non, mais c'est lui. Effectivement. Oh oh. Je sais pas pourquoi, mais moi je lui conseillerais de dégager. Il va se faire tuer. Voilà, comme ça. Attention. Ça me donne juste envie de la buter, mais sinon... Ah, saloperie, il m'a tiré une espèce de barrique sur le coin de la gueule. Tiens, prends ça. Oh là là. Je vais crever moi si ça continue hein. Tiens allez, je vois plein d'ombres, je sais pas qui c'est mais je tire. Ouais. Oh, t'es morte. Je t'ai flingué grognasse. Pouf. Touché. Coulé. Bon, eh bien, c'est pas que je suis déçu, mais du coup, je vois même pas de barrique ou de truc à choper là. C'est quoi ce bordel? Non. Encore un terminal. Ah, j'ai loupé. Bon. Non. 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 J'y crois pas. Ouais. Ouais. Donc, bah, apparemment, j'ai pas vraiment le choix. Hein. Faut qu'absolument que je récupère ce foutu calepin. Ok. On dégage. Zou. Donc, bah, maintenant, on n'a plus qu'à aller voir notre ami Samara. De lui filer le nom du vaisseau, donc ensuite de la récupérer, et après de la dégommer. Je suis désolé quand je suis comme ça, mais j'ai une journée extra fatigante, alors ça arrive que je me lâche. Tout d'abord, je retrouve l'espèce de mini gnome qui est où? Qui est parti? Non. Il est parti. Ah, il est là, mon amour. Je vais juste te casser la gueule. Je le garde. Ah ouais? Une tape sur l'épaule.
C'est peut-être pas. Allez, viens avec moi, toi. Vous êtes libre, probatrice. Ce fut un honneur de vous accueillir et un soulagement. Vous craignez que je refuse d'obéir. Je ne peux pas courir ce risque. En convenant de vous. Ok, voilà, allez, c'est bon. Vos ordres auront préférence. Bon, allez, on y va. Je vais prêter serment par le code. Je vous servirai. Je n'aurais jamais cru voir une probatrice me forcer à commettre. Ouais, un bref, allez là. Moi, je fais une vidéo. J'aimerais que vous mettre à mort une fois libéré de mon serment. Oui. Quand vous dites mes désirs, vous parlez de. J'ai juré de vous servir. Oh, ça y est, tout de suite. Voulez-vous retourner à votre vaisseau? Il faut que je discute avec. Merci de m'avoir débarrassé de Samara. Je pourrais dire à mes petites filles que j'ai rencontré une probatrice. Cette preuve identifie l'assassin. Je m'en souviendrai. Sur ce, voyons. Je me porte garante de Shepard et de toute preuve qu'il fournit. Je m'en remets bon, au jugement. Bon, bien. Ça sert d'avoir une carte lécus. Une probatrice, pardon. Dans l'équipe, si en plus ça peut me faire. Allez, on va le jeter, lui, ce connard. Je peux voir ça? Merci, Shepard. Je ne peux pas faire grand chose pour vous remercier, mais nous gardons quelques liquidités pour les choses. Je ne peux pas dire que je suis fâché de vous voir partir. Allez, 7 de pragmatisme. Eh ben, on va voir où il est, mon petit bonhomme, où c'est qu'il est rendu. C'est tout. Ouais. Bref, ouais, bon, en tout cas, ça marche plutôt bien par la Samara pour vous retourner à bord du. Voilà. Ouais. Je suis toujours interdit de vol. Que se passe-t-il? Bah écoute, je t'ai jeté du con. Ouais. On y va. Zou. Voilà, la mission est terminée. Écoutez, bah, je suis désolé pour le caractère un petit peu folichon de cette vidéo. En revanche, voilà, je vous propose de se retrouver une prochaine fois pour. Suivre une autre mission du Capitaine Shepard et du fou furieux Kria. Et ma foi, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager ou à commenter si ça vous plaît ou que ça vous plaît pas. De toute façon, voilà, faut donner son avis. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous!